Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve. Tous très très bien partis avec un bon départ de Tripod avec à l'extérieur à la mairie qui tente de s'élancer en tête. Mais Tripod pour l'instant garde la corde alors que la mairie semble le dominer à l'extérieur pour tenter de prendre le train à son compte. Sa vie, auteur d'un excellent départ, se porte à l'extérieur de Shortcut. Ensuite, il y a Hardwire, Copenhagen et à deux longueurs fermant le cortège Bound by Duty. À 900 mètres du poteau, à la mairie, ravi le commandement à Tripod alors que sa vie arrive à son extérieur. Juste derrière, Hardwire qui court à l'extérieur de Shortcut. Ensuite, Copenhagen et Bound by Duty toujours en dernière position alors qu'on était à 600 mètres du poteau. Dans quelques foulées, toujours sous l'impulsion de à la mairie devant son compagnon d'écurie, Savvy. Tripod est toujours bien placé en troisième position alors que Hardwire arrive à son extérieur. Shortcut, Copenhagen commence quelque peu sa descente. Bound by Duty est toujours en dernière position alors qu'on va aborder la courbe à 300 mètres du poteau pour entrer en ligne droite finale avec Alamery encore bien en main qui va tourner en tête, lancé par Benny Woodworth. On va tenter de revenir avec Hardwire, Copenhagen complètement à l'extérieur, mais Alamery a toujours l'avantage avec Hardwire qui termine de plus en plus fort, mais personne ne battra Alamery qui le fait de bout en bout et qui s'impose dans cette troisième épreuve. La deuxième place pour Copenhagen, Hardwire sera troisième. Bound by Duty termine le quartet. L'image de Ball Phoenix hier, eh bien, Benedict Woodworth reconduit à la victoire à la mairie. C'est sa deuxième victoire de la saison à la mairie qui gagne avec aisance, je dirais, sans aucun problème, sans histoire. Victoire donc pour à la mairie de l'écurie Simon Jones. Hardwired a fait ce qu'il a pu hein, pour sa reprise, n'a pas démérité. Copenhagen est venu vers la fin, alors que Shortcut n'a été que l'ombre de lui-même dans cette course. Bound by Duty qu'il faudra surveiller à sa prochaine sortie, car cette course lui a fait du bien. Il a couru en queue du peloton pour revenir par la suite, n'a pu que prendre la quatrième place. Mais attention, lors de sa prochaine sortie.